Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Deacon St. Jones dans Days Gone. New Game Plus, gameplay partie 69. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour vous abonner. C'est important, c'est gratuit, c'est juste l'histoire d'un clic. Pour les abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve après l'introduction. C'est parti, let's go! Donc, lors de la précédente vidéo, la partie 68, ça a été un montage assez long à faire, mais je m'en suis sorti, bien comme il faut, et on avait tapé les hordes qui restaient dans dans la région du Nord. Donc, vous voyez les hordes 8-8, les hordes 7-7. Ici, il n'y a pas de hordes, Iron Butt. Et là, les hordes 6-6. Donc voilà les amis. Alors, j'ai essayé de retrouver mon arme de mêlée. Vous savez, l'arme de mêlée super ultra cheatée, machin. Ouais. Eh ben, je sais où je l'ai perdue en regardant les vidéos. Je l'ai perdue ici. J'y suis retourné. Impossible à la trouver. Elle avait disparu. Donc tant pis, tant pis pour moi. Et là, on va se lancer pour la mission principale où on va aller affronter la milice. Allez, c'est parti les amis, let's go. Attention. Donc pour la mission finale, je vous conseille fortement de prendre un sniper. Ne vous embêtez pas à prendre l'arme qui a un silencieux intégré, car de toute manière, les ennemis savent que vous êtes là une fois que vous êtes dans le camp. Voilà. Allez, on va voir Ricky. Rikiki. Alors, ça avance. Recule. Et dis. Ça nous a fait un camion de la mort, les amis, à la Walking Dead. C'est quoi ça? Oh, demande-les. Oh! Bon. Je t'explique. Un camion gros comme un char, c'est ça? Je me suis dit. Autant y aller franco. Bordel de merde. Ce truc est prêt? On va voir, Dick. Allez! Okay. Mets le bébé en route. Oh ouais, il marche. Il n'y a plus qu'à remplir. Je sais où trouver du fertilisant. Je vous appelle quand je suis OP. Ok. Alors nous, notre mission là, du coup, ça va être d'aller chercher suffisamment de fertilisant pour le bien de la mission. Genre, est-ce qu'il ressent de la douleur ou autre chose? Donc on va prendre. Alors. Ouais, comme de par hasard. Le contraire m'aurait étonné, hein, les amis. Hein. Vous voyez, il faut aller à Iron Butt. Mais il n'y a pas 36 solutions. Hein, on va faire un petit voyage rapide quand même.
Si vous brûlez un nid de nuit, moins de grouilleurs en sortiront. Hein? Quand vous êtes en facile, peut-être. Vous êtes en difficile, il y en a autant la nuit que le jour. Hein. Donc méfiez-vous quand vous allez brûler les nids. Hein, parce que... Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai fait les exterminations de nids de nuit. Eh ben... Je me dis qu'on devrait trouver tout le fertilisant qu'on veut à l'Iron Butte Ranch. L'Iron Butte Ranch? Ouais, enfin... C'est pas comme si Jesse et ses Reapers allaient en avoir besoin. En plus, c'était bien un club de golf avant, non? Ça veut dire qu'il doit y avoir un espace de maintenance avec des tondeuses et... Du fertilisant, putain, bien vu! Ouais, donc je fonce sur place. Dès que la voie est libre, je t'appelle pour que Ricky et toi nous amenez le camion. Ça marche, mon pote. Terminé. Bon, vous avez vu, il y avait des ennemis, hein. Ok. Voilà, ok. Ouais, de la ferraille. Ouais, c'est bon, ça, poudre et canon, tout ça. Un bidon d'essence. Ok, il y a des loups. Il y a des loulous. Ah ouh! Ah là 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 là, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis. Là, on va rentrer dans les missions difficiles du jeu. Ouh, bah, je sais même pas. D'accord, ok. Il reste le bas du corps et le haut du corps, il... Le haut du corps, il est complètement parti en cacahuète. Bon, alors... Oh, attendez! Je suis dans la merde! Attendez! On va revenir ici, les amis! On va revenir ici! Je vais vous expliquer pourquoi! Donc je vais vous expliquer pourquoi. Là où on va... Joli, en pleine tête. Ok. Là où on va, les amis, il y a une sacrée horde. Et Ouais, ça me rapportera des crédits. C'est The Horde. Hein. C'est vraiment The Horde là où on va l'affronter. Alors, si j'ai de la chance, c'est peut-être une horde que je me suis occupé précédemment, ce qui m'arrangerait, moi, beaucoup. Parce que... Ah ouais.
Je préfère ça, hein. Spécial. Ok. Parce que si c'est pas une horde, si je m'en suis pas occupé et qu'elle est là, on risque de pas mal en chier. Une beuglarde, on s'en fout, on se casse. Wouh! Alors ça va qu'on est en pleine journée. Ah. Bon, bah voilà. Et je vous déconseille de sortir du complexe quand vous l'attaquez, la horde. Oh merde, non. C'est une horde, putain. Il faut que je libère la voie avant l'arrivée de Ricky. Oh, elle va l'attirer vers nous, non. Hé, hey, Boozer. Dis à Ricky que ça va prendre un petit moment, parce que il y a une horde qui fait une pause déjeuner en plein sur notre chemin. Une horde? Ricky et moi, on vient de te donner un coup de main? Non, non. J'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux se la jouer en solo dans ces cas-là. Ça risque de partir en couille si on s'y met à plusieurs. Ouais, bah d'accord. En plus, Ricky m'a dit que t'étais chef de la sécurité maintenant, c'est bien ça? Alors quoi, t'es pas censé, je sais pas, rester au camp, faire voyer ton badge, donner des ordres, des trucs comme ça? Ah oui, tiens, j'ai oublié de demander un badge à Mike. Je... Non, enfin bref. Maintenant que Mike est plus là, tu sais, il est très bien quelqu'un qui passe. Il est dans le village. Ça m'étonnerait, mon vieux. Ah, je peux pas dire que ça me dérangerait. Tu bugais ? Ah, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. Soit j'ai bugué, soit je suis mort. Oh merde, non. C'est une horde, putain. Il faut que je libère la voie avant l'arrivée de Ricky. Oh, elle va l'attirer vers nous, non. Hé, hey, Boozer. Dis à Ricky que... ça va prendre un petit moment, parce que... il y a une horde qui fait une pause déjeuner en plein sur notre chemin. Une horde? Ricky et moi, on vient de te donner un coup de main? Non, non. J'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux se la jouer en solo dans ces cas-là. Ça risque de partir en couille si on s'y met à plusieurs. Ouais, bah d'accord. En plus, Ricky m'a dit que t'étais chef de la sécurité maintenant, c'est bien ça? Alors quoi, t'es pas censé... je sais pas, Rico.
Là, tout de suite, maintenant, je cherche les... Putain de d'endurance de merde aussi là. Là, l'endurance. Ah, c'était pas de tour pour les amis, hein. Tu peux dire à Ricky d'amener le camion. Bien sûr. Hey Dick, on a une surprise pour toi, mon pote. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai une surprise. Génial. Pour vous. Super, j'ai hâte. Terminé. Alors, récupérez bien vos trophées, hein. Récupérez bien vos trophées pour les primes, hein. Franchement, avec tout le monde que vous venez de buter, vous le méritez, hein. On le mérite, hein, fortement, là. Qu'est-ce que tu fais, Dick ? Dickon ? Bon, vous avez vu le premier essai, c'était pas... Le premier essai, je pense sincèrement que Deacon a explosé au moment où j'ai fait sauter le... Au moment où j'ai fait sauter le container, là, le camion-citerne. Alors, attendez. Et encore... Ça, c'est cool. Normalement, il y a des voitures de flics. Il y a des voitures de flics, normalement, j'avais vu. Hop, donc ça, c'est bon. Et là, du coup, ouais, vous voyez, hein, j'ai pas fait sauter tout le... toutes les citernes, hein. Mais alors, attendez. Hop. Ah, ouais, non, c'est bon, on est bon, on est vraiment, ah, franchement, je me suis bien débrouillé. Là, voilà, la voiture de flic. Et du coup, la horde, là, qu'on vient de faire... C'est la seule horde que vous aurez à Iron Butt. N'essayez pas de la faire avant, puisque dans tous les cas, la horde va être remise au moment où vous avez la mission principale.
Ok, on est bien. On a récupéré les... pratiquement. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir que. Hop. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais pas chercher à refaire mes stocks au niveau des chiffons, des stérilisants, tout ça, hein, parce qu'il n'y a pas besoin en fait. On est bientôt à la fin du jeu, les amis. Hop. Ah là 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 là. Et du coup, alors là où les dernières vidéos du jeu, ça sera pour les hordes de la région du sud. Et une fois qu'on a fini toutes les hordes, on ira. C'est Débloquer toi? Qu'est-ce que la c'est que ce fin truc? Un petit finale. cadeau de Ricky. Je peux toujours pas faire de moto, mais au moins je peux passer ces maudites vitesses. Waouh! Vous avez vu ce que qu'est-ce c'est? qu'il y a là-bas? Ça roule. C'est un... Comment on peut appeler ça? C'est pour les glaces? Oh la vache! Je pense que ça suffira. Ok, C'est pour les glaces. ensuite. Le créosote. Je t'appelle dès que je suis prêt. Où tu comptes trouver plusieurs centaines de litres de créosote? Vaut mieux pas que tu saches. Ok, le créosote. Si je me trompe pas, c'est de l'excrément, non? Parce que là où il va nous entraîner, les amis. Dick, faut que je te parle. Ricky, qu'est-ce qu'il y a? La milice. Quoi? Où ça? Boozer pense qu'il prépare une nouvelle attaque, du coup il voudrait que t'ailles jeter un œil. Saloperie de milice. Ouais, compte sur moi. Super. Je le dirai à Boozer. Terminé. De quoi? Ok, d'accord. Bon, de toute manière, on n'a plus que ça à faire, hein, donc... Nouvelle attaque de la milice. Vic, ouais, c'est Cope. Tu m'entends? Copland, oui, je t'entends. J'imagine que t'as du boulot pour moi. Ok, ça marche, je passerai te voir. Terminé. Quoi? Mais le job de campement, il est pas tout de suite. Ok, d'accord. Bon, dans tous les cas, on va faire le truc de la milice avant, hein. Et une fois qu'on va faire la milice, avant de retourner au camp principal, on ira faire le truc de Copland, mais à mon avis, bizarre, ça. Alors, on va retourner à la bécane. L'herbaille. Parce que là-dedans, ça m'étonnerait qu'il reste des trucs. Par contre, de l'autre côté, dehors. Boîte de conserve. Ok. Ok.
Ok, bon, on va retourner à la moto, les amis. Et hop. Et vous savez ce que j'ai envie de faire, les amis? C'est genre, on va ici, là. Comme ça, on est autour de tout. Allez. Limite, je me ferais bien les deux du bas. On y va à pied, on se retrouve là-bas, non? J'ai fait n'importe quoi, les amis. Ah, ils sont un peu loin quand même, hein. On va peut-être prendre la moto. Bon, alors là, par contre, ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, là. Apparemment, c'est le nid d'une horde, mais... S'en fout, les hordes, on les a toutes faites, hein. Allez, hop, c'est parti. Foutu milice. Putain, je vais tous les buter jusqu'au dernier. Une escouade entière. Il faut faire gaffe. Ouais. Ceux auxquels il faut vraiment faire gaffe. Amenez-vous, fils de pute. Sont neuf. Il faut s'avancer. Oh là là, vous. Je suis encerclé. Ça va être le bordel. Ah putain, les enfoirés. Venez, je vais vous latter. Oh, allez, allez. De miliciens. Ok, il y en a plus qu'un. Une poudre à canon.
Ouais, et puis ils ont pas des petites armes, hein. Ils sont bien équipés, les mecs, hein. On est tout bon au niveau des chiffons, des stérilisants, tout ça. Kérosène, câble d'allumage, tout baigne quoi. Trousse de secours, ok. Ok, on va partir pour celui-ci. Alors là, par contre, je sais pas à quoi ça sert. Pour monter sur la maison? Quelle est l'utilité, les amis? Me demandez pas. J'ai pas la réponse. Bon, alors là, par contre, pour l'effet de surprise, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai plus du tout. Cette putain de milice. Une autre escouade ? Merde ! Ah, attendez. Mais si. Hey, salut, comment ça va ? C'est un connard de milicien ! Ils sont 8. Ah non, bonhomme. Ils m'ont pas vu encore. Approche ! Vous, fils de pute ! Hop là, on s'en sort plutôt bien. Ça passe, ça passe, ça passe. Ouais. Hop, bandage, je l'ai trouvé. Hop. Et pourquoi on n'irait pas directement au camp de Copland, les amis? Ça, on va voir ce qu'il nous veut, le pépère, là. On va aller voir Copland vite fait, juste comme ça, par curiosité. Thank you.
Alors, coupe, tu veux quoi? Désolé, Dick. J'avais pas vu qui c'était. Ah, pas de soucis, princesse, t'inquiète. Allez, faites-les entrer. Il s'est passé quoi? Encore une attaque. Les squatteurs vers l'autoroute. Il faut qu'on rassemble les gars pour les chasser. Ne regarde pas, c'est pas mon problème. Ils retiennent Manny. T'as envoyé Manny en mission de ravitaillement. Moi, je supervise le campement, Dick. Je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie. Allez, au revoir, Cope. Bon, bah... ouais, d'accord. Hey, Dick, comment ça va? Salut, Damon. Les armes se vendent bien. Ah, là, j'ai... Joli. Je vais m'occuper de ton arme, tu vas voir. Là, on parle sérieusement. On repasse quand tu veux. A plus, Dick. Bon, bah, du coup, on va aller le chercher. Tombé sur sa bécane. Pars à sa recherche. Les gars m'ont dit qu'ils avaient tendu un piège sur la centième. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Terminé. Bon, là, j'espère qu'ils ont pas de casque, eux, hein. Oh, mais c'est un camp qu'on connaît bien, là. Vous allez peut-être vous rappeler, quand on passe la pile de cadavres. Quand vous passez la pile de cadavres la première fois, il y en a un qui vous attaque. Là. Okay. Là, on fait gaffe, il y a un piège. Allez, pas de pitié, hein.
Oh, bah il est juste au-dessus de ma pomme, eh. Ah, si vous me rendez pas mon copain. C'est aussi ce qui va vous arriver, les mecs. Hein. Ouais, c'est génial. Oh, toi, t'es trop loin, toi. Toujours que je loupe une balle, hein. Elle est morte. Ça fait chier. Oh, il m'a touché. Si tu meurs. Choper ce patin, il l'a tué. J'aimerais bien. Non, mais vous êtes combien là-dedans, là? C'est ta sœur. Hop. Merde. Oh là, il m'a trouvé. Prends le gros calibre. Et celle-là, par contre, faut impérativement que vous la réussissiez en furtif, hein, parce que Manny a de très fortes chances de se faire tuer, sinon. Salut Manny. Hey, hey. Oh, allez, j'allais pas le laisser buter. Et puis entre nous, qui d'autre à part toi sait reconstruire un carburateur ici? Sauf qu'il y a des mutants. Ah ouais. Ok. Tu vas reculer. Tout doucement. Sans faire un... besoin. Qu'est-ce que tu me fais, toi? T'es sérieux? Il est où? Il est où? Ah putain, il est en dessous, il bouge pas. Ah, je peux pas tirer à... Oh!
Sortez d'où, vous? Merde! T'inquiète pas mon gros, je t'ai pas oublié toi. Allez. Coucou. Oh. Je l'ai eu, c'est bon. Ah ouais, attends, on n'est pas tiré d'affaire là, mec, hein. Et par là, là, j'ai pas compris d'où ils sortaient les mutants. Franchement, C'était quoi ce plan? Qu'est-ce que tu foutais là, toi? Il y a un paquet de cow-boys dans le coin, Manny. Pas un qui s'y connaît comme toi en mécane. Pour une fois, je suis de l'avis de ce bâtard. Eh, ton avis? Pourquoi ça se passe comme ça? Comment ça? Tout le monde, qu'est-ce que c'est? Manny, tu sais combien il y avait de gens en tôle avant que cette saloperie nous tombe dessus? Je veux dire ici, aux États-Unis. Aucune idée. 2 millions. C'est assez à les libertés conditionnelles et les probations. Ça fait quasi 7 millions. Donc dis-toi qu'une personne sur 35 se contrefout déjà des lois. Sans compter ceux qui sont jamais fait choper. Alors la question, c'est pas tellement pourquoi c'est comme ça maintenant, mais plutôt pourquoi seulement maintenant. Je crois que maintenant. Ah, elle était dans le piège. C'est sûrement mieux, ouais. Vous avez vu ou pas, les amis? Elle s'était pris les pieds dans le piège à ours. Alors maintenant, c'est plus des pièges à ours, c'est des pièges à mutants. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tu vas te débrouiller? Ouais, ouais. Hé, hey, Dick, je te dois la vie. Hé, hey, Dick. Pour ce monde, si t'avais pas... Manny, enfile bas. Enfile bas. Non, à bouffer. Maintenant, fout le camp d'ici. Voilà, Manny est sain et sauf grâce à notre intervention. On vient de terminer le scénario protéger les plus faibles. Et du coup, ouais, bah ouais, job de campement, on a terminé. On a terminé les jobs de campement, mes amis. Regardez, job de campement 8. 6 sur 6.
7 sur 7. On a terminé les jobs de campement. Je sais pas trop ce que je viens faire là, moi, mais... Ok. Ah, c'est ça que je cherchais là-bas, là. Allez. Donne-moi des munitions. Hop. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et là, on n'est pas bon, mais c'est pas grave. Donc, du coup, là, on va se téléporter directement. Eh ben, on va se re-téléporter directement ici, les amis. Comme ça, on terminera avec le dernier petit camp de la milice pour la mission principale contre la montre. Et c'est comme ça qu'on se quittera après avoir terminé cette mission-là. Ok ? Ok, ok. Ok, ok. Alors là, par contre, moi, il va me falloir de l'essence, hein. Parce que c'est bien beau, mais... Cope. Je l'ai trouvé. Alléluia. Ouais. Non, non, il s'est fait bouffer. Il Victor s'est fait bouffer. De chercher des infos sur votre camp. Effectif, armement... J'espère qu'il a parlé. On a toutes les armes qu'il faut. Ils ont qu'à essayer de nous les prendre. Les fédéraux n'ont plus leur mot à dire de toute façon. J'imagine que non. Bon, quand Manny sera rentré, dis-lui de faire profil bas. Terminé. Alors là, je cherche un bidon d'essence. Ouais. Bon, bah tant pis. Merde. Oh les bâtards! Ah punaise de Dieu! Ouais. Bon. Franchement, si j'arrive à viser la tête aussi bien... Oh là là. On voit bien.
Sean et les matines, les gars. Ah, ça, c'est bon, ça. T'es con ou t'es con, toi? Oh merde, une grenade! Putain, c'est pas vrai! Bon, bah nous aussi on va envoyer des grenades, hein! Merde! J'ai vu quelqu'un. T'as vu personne? Ferme-la. On va voir, hein. Il est sur le côté. Fume-le. Merde. C'est moche. Hey, Dupont, on sait que t'es là. Et on sait qui tu es. Rends-toi sans faire d'histoire. Je te promets de te buter sur le champ. Tu ne feras pas bouger. Merde, c'est du lourd. Putain, mais c'est pas vrai. Je vais... Bon, Bon, comment je vais faire Là, si j'utilise... Le problème, c'est que si j'utilise pas un silencieux, je vais me faire avoir à chaque fois. Et vu qu'ils sont bien équipés... Du coup, les amis, c'est sur une défaite, malheureusement, qu'on va se quitter, hein, parce que je suis au niveau difficile, 2 en plus. Donc, même si j'ai toutes mes armes, je prends des dégâts très importants au niveau des balles. Alors, n'hésitez pas à liker sur la performance de fin de merde, il n'y a pas de problème, hein, je prends toutes les critiques. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour vous abonner, s'il vous plaît. Ça serait cool pour la chaîne. Merci aux 74 abonnés qui me suivent dans l'aventure, ça fait plaisir. Merci beaucoup, 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 je vous remercierai jamais assez. La prochaine fois qu'on se retrouve pour les aventures de Deacon St. Jones, ça sera la partie gameplay 70. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à très très vite. Salut, salut les amis.